Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on parle d'ADFR, on va voir un petit tutoriel sur ce logiciel, enfin ce module de ferriage en fait, donc qui se greffe à AutoCAD. Alors à l'ouverture vous avez en fait une sorte d'interface ici, donc interface à connaître. Vous avez aussi la possibilité d'afficher un ruban, mais vous n'êtes pas obligé puisque dans ce ruban vous allez retrouver la même chose qu'ici. Donc après c'est une question d'habitude, moi je sais que je préfère utiliser ça et garder eh bien mes habitudes AutoCAD, sachant qu'on peut aussi réduire ce ruban. Mais voilà, le but c'est d'utiliser la config ici et puis les commandes qui sont là. Alors pas de panique, si on clique ici on retombe sur config. Enfin, et vice versa, si on clique sur les... Pardon. Donc là, j'ai affiché les calques, je ne voulais pas. Donc voilà, il y a... en fait, vous pouvez afficher vos palettes. Moi, je les mets toujours ici, hein. Donc forcément, elles s'affichent là. Mais sinon, vous avez cet espace ici dédié à ADFR. Alors, pour commencer, dans la config, ce qui est important, c'est de régler les unités dès le démarrage de... dès l'ouverture du fichier. Pourquoi? Parce qu'après vous ne pourrez plus, une fois que vous l'aurez enregistré, vous ne pourrez plus le modifier, tout simplement. Donc si vous êtes habitué à travailler en centimètres, vous mettez centimètres, sinon vous mettez mètres ou ce que vous voulez. Donc, moi je préfère travailler en centimètres. Les règles parasismiques, ça va changer tout ce qui est longueur d'ancrage, il me semble. Alors ça c'est intéressant, c'est les diamètres. Est-ce que vous voulez qu'il vous propose toujours le dernier diamètre que vous avez modifié, ou alors est-ce que par défaut, si vous le désactivez, vous voulez un diamètre particulier. Là je vais laisser comme ça, hein. Et là réel, ça veut dire que en barre coupée ou pas d'ailleurs, il va vous dessiner des armatures qui seront plus proches du réel, c'est-à-dire plus grandes, alors que la théorie, une barre de 10 sera 10 mm, alors que c'est un peu plus dans la réalité. Voilà, donc ça change légèrement, et si vous voulez avoir des choses réalistes, le mieux c'est de laisser en réel. L'enrobage, eh bien voilà, vous allez régler l'enrobage général du projet en fait. Le calage, c'est pour les barres coupées par rapport au cadre. Donc si vous mettez 0, ils seront collés au cadre. Sinon, c'est vrai qu'on aime bien la théorie en principe là-dessus. On peut mettre un petit calage de 0,5 cm par exemple, pour que ça touche pas trop et qu'on le voit, pour qu'on le voit à l'impression en fait. Les mandrins auto, le reste vaut mieux laisser comme ça. La précision par exemple, je la laisse comme ça tout le temps. Le préfixe des treillis, eh bien voilà, vous pouvez indiquer P devant ou comme panneau ou T comme treillis, enfin vous mettez ce que vous voulez. Espacement, tout ça. Donc après le reste, ça va être surtout voilà, si vous voulez remplir des aciers, etc. Mais c'est pas forcément évident, il vaut mieux s'entraîner à dessiner des armatures, modifier par la suite avant de. Enfin, les modifier un par un avant de rentrer dans la config générale et de faire une. Pour pas faire de bêtises. La mise à jour, oui, les mises à jour, ça c'est intéressant, c'est automatique, généralement en quittant, donc ça vaut mieux le laisser. Resélectionner, alors ça, je sais pas trop, ça dépend des versions. Bon, le mieux c'est de laisser quand même ce qu'il vous propose. Duplication, oui, par défaut il va pas le grouper, donc ça c'est quand vous faites un copier-coller en fait, il va vous proposer de grouper par exemple des armatures. Généralement moi je le fais pas, et je le fais que pour des épingles, donc je le fais vraiment à l'occasion, donc ne le cochez pas, c'est un conseil. Repérage suivant, oui, il vous propose toujours les repérages à la suite, donc ça c'est intéressant en principe. Numérotation, il les incrémente par défaut, donc c'est pas mal. Le reste, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est une gestion des couleurs, etc. Donc ça compte pas trop. Donc après, ce qui est intéressant dans cette config, donc là c'est la config, on était là de base. Hein. Ensuite, vous avez tout ce qui est, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est pas très intuitif. Par exemple, si vous cliquez là, eh bien, vous allez configurer vos barres par défaut, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt puisque on va le voir plus tard. Ici, ça va être pour tout ce qui est répartition de barres, il me semble. Alors, ce qui est compliqué, c'est que vous avez un style standard, vous avez des sortes de sous-catégories, et donc ça peut être vite une usine à gaz à modifier. Je vous conseille de bien maîtriser le logiciel avant de rentrer là-dedans. Je ferai peut-être un tutoriel particulier pour parler de tout ça, parce que pour le coup c'est vraiment pas simple,
C'est très compliqué même, parce que vous voyez dans les styles, pareil pour les treillis soudés, eh bien, vous avez les TS voile, TS dalle, et forcément la représentation ne sera pas la même, alors qu'il y a des trucs, il y a des paramètres pardon, qui sont similaires, et puis d'autres pas du tout, donc on peut vite faire des bêtises, et du coup ça a un impact sur tout le gabarit en fait. Donc là on a une notion ici de calcul, on peut régler des longueurs de barre, par défaut 12 mètres. On peut régler des calculs optimisés, des découpes, etc. Donc ça sera plus pour les dalles, les nappes. Les recouvrements, par exemple. Zéro pour les chapeaux ou pas. Donc ça va être important aussi. Vous avez les ronds lisses, vous avez les achats, vous avez les longueurs de recouvrement par défaut qui sont ici. Donc pareil, qui sont modifiables sous forme de recouvrement, c'est un petit peu de coefficient, pardon. Mais c'est pas très intuitif. Parce que pour tout modifier d'un coup, il y a des méthodes, mais pour le coup, c'est pas simple. Voilà. Donc, on le verra peut-être dans des tutoriels ou si vous posez des questions là-dessus. Là, c'est tout ce qui est repérage. Donc, pareil, ça va dépendre si c'est des peignes, en étoiles, etc. Donc, ça peut être très très compliqué à gérer. Pour avoir fait un gabarit là-dessus, je vous assure que c'est loin d'être évident. Ici, on trouve les tableaux. Donc, pareil, on peut modifier des nomenclatures, mais là encore, c'est pas simple. Et ça peut entraîner des petits soucis. Donc il vaut mieux laisser de base, mais si vous avez à modifier des petites choses, vous pouvez faire modifier et modifier ce qui apparaît dans vos nomenclatures. C'est toujours intéressant. Pareil pour le reste, hein, pour les treillis soudés, et pareil pour les détails. Et enfin, on a des sortes de folios à défaire que moi j'ai jamais utilisés, qui sont comme les présentations. Et on a un code couleur, hein, on ne le voit pas ici mon bouton, mais c'est un code couleur à défaire. Donc HA6 sera en rouge, HA10 sera en vert, etc. Voilà ce qu'on pouvait dire sur déjà l'interface en général. On va passer maintenant aux commandes à défaire. Donc les commandes, on va les trouver ici, hein, tout simplement. Donc les commandes, on va trouver tout ce qui concerne le chargement. Ça, je dirais que ça n'a pas vraiment d'intérêt puisque c'est le chargement, les versions, etc. Ensuite, vous avez tout ce qui est audité. Alors ça, c'est oui, c'est pour résoudre des bugs. Donc souvent, on s'en sert quand il y a des problèmes. Aussi, il faut lancer la commande contrôle. Hein, ça, c'est important pour contrôler. Mais ça, c'est valable aussi pour AutoCAD. Mais sur ADFR, j'ai remarqué qu'il y avait souvent des bugs. Donc si ça arrive, vous lancez souvent la commande contrôle plus l'audit, ça vous corrige tout ça. Alors voilà, moi, le seul reproche que je fais, c'est que des fois on perd des infos. Donc en fait, il faut prendre l'habitude de le faire souvent. C'est un peu redondant, ça fait perdre du temps, c'est pénible, mais bon, on n'a pas le choix. Le reste, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est ici, ben, on retrouve la même chose hein, que ce qu'on a vu. Donc si vous cliquez ici, vous retombez sur vos dernières configurations. On retourne sur commande, donc ça sert à rien de cliquer là, vous allez retomber sur la même chose. Mais bon. Ensuite, vous avez tout ce qui est acier. Donc là, oui, ça va nous intéresser. Ça, c'est les aciers, on va dire, longitudinaux. Et ça, c'est les transversaux. Donc là, les cadres, etc. Puis il y a aussi les barres coupées qui sont ici. Bon, pourquoi pas? Ça concerne après tout les sections. Vous avez ensuite tout ce qui est nappe et répartition de barres qui sont par ici, on les verra. Et enfin les repérages. Donc après on verra les nomenclatures, les groupes et les outils. Et on retrouve à peu près, par exemple, vous voyez dans échelle, dans modification, on les retrouve ici. Là, de toute façon, c'est des commandes, on va dire, AutoCAD, mais qui ont été dupliquées pour ADFR. Et en principe, il vaut mieux utiliser ça pour éviter les bugs. Mais bon, comme on est habitué à AutoCAD, des fois, c'est compliqué. Tout ce qui est folio mise en page, je les utilise pas trop. On retrouve échelle à plusieurs endroits. Par exemple, ici, on le retrouve là. Enfin, bref. Ensuite, vous avez des macros. Bon, ça a moins d'importance. On va essayer tout de suite des aciers. Alors, si par exemple, je vais faire une coupe, je sais pas, 20 par 50. Juste histoire d'avoir quelque chose. Là, je vais faire une poutre qui fait 2 mètres ou un linteau et je vais faire 10 et 10. Voilà. Puis là, je vais remettre 50. Vous voyez, là, il me propose de grouper
Mais bon, là, ça n'a pas lieu d'être. Donc ça, il l'affiche à chaque fois que vous copiez. Donc ça peut être un petit peu pénible. Mais bon, voilà. C'est parce que quand vous avez des cadres, des épingles, des choses comme ça, il vous propose de les grouper, dupliquer, etc. Bon, bref. On va s'intéresser aux aciers ici. Donc quand vous cliquez, le premier vous permet d'ancrer des barres de part et d'autre. Par exemple ici, 12. Je vais cliquer 2 points. Voilà, automatiquement il me les ancre, alors que si j'avais pris ça, il ne me les aurait pas ancrés. Mais pas de panique, même si vous vous êtes trompé, vous pouvez recliquer à tout moment et changer la forme. Et la petite astuce, c'est d'aller ici, dans ancrage, et de cliquer là. Pourquoi? Parce que vous pouvez tout modifier d'un coup. Donc c'est pratique. Par exemple, vous pouvez mettre 135 ici. Alors oui, position. Là, en fait, pour un des fers, si vous mettez moins 3, il s'agit d'un ancrage. Par exemple, moins 60, il l'ancre de 60. Et si vous voulez parler d'enrobage, alors vous mettez plus 3, donc 3. Et là, c'est un enrobage. Bon, c'est une petite subtilité, ce qui fait que si vous voulez 15 sur appui, c'est moins 15. Donc ça, c'est pas évident au début, mais c'est comme ça. Là, de l'autre côté, par exemple, soit vous laissez auto, donc ça va être 50 filles, il me semble ici. Donc voilà, automatiquement, eh bien, il m'a ancré là. Et puis là, j'ai mis mes moins 15 que je retrouve ici. Donc c'est un petit peu plus fastidieux de cliquer là, puisque il faut, bah, des fois, ça marche pas bien. Il faut sélectionner d'abord, enfin, c'est pénible. Le mieux, c'est d'aller là où je vous ai montré ici. Vous allez ici, vous faites là, tac, et automatiquement, vous retrouvez tous les paramètres. Donc franchement, c'est plus intéressant de faire comme ça. Donc ça, c'est pour les barres. On peut faire une barre en haut aussi, hein, sans problème. Je vais la mettre en H10, celle-là, et je clique d'abord ici. Pourquoi? Parce que si j'avais cliqué d'abord ce point-là, puis celui-là, elle serait tout simplement inversée. Après, pas de panique, vous cliquez ici, ça revient au même. Voilà. Donc pour vous montrer que c'est pas une catastrophe, on arrive à s'en sortir avec des miroirs. Et là, c'est ancré de la même manière. Donc, je vais retourner ici. Je vais faire cette fois-ci 90. Position. 15, moins 15. Et OK. Voilà. Alors là, c'est le contraire. Je vais faire un miroir. Hein. Est-ce que je peux faire un miroir? Non. Aïe, pas de ce côté. Si. Étirer. Ah bon. OK. Bon, ça arrive. Je pensais qu'on pouvait faire miroir. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt faire le contraire. Je vais faire ça. Je vais mettre moins 15 là. Donc, vous voyez, là, ça prête à confusion. Hein. Je me suis fait avoir. Donc, c'est une question d'habitude. Là, j'ai simplement inversé. Mais bon, je pensais qu'il était possible de le faire. Mais a priori, il n'y a pas l'option. Bon, bref, c'est pas grave. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on arrive quand même à dessiner des barres assez facilement. Maintenant, je vais faire un cadre ici. Alors pour faire un cadre, on clique ici, hein, tout simplement. Il y a d'autres formes. Il y a aussi des étriers, des épingles, etc. Donc là, je vais faire un cadre. Un cadre H6. Je vais cliquer 2 points. Hop. Voilà. Et là, on peut régler les enrobages. Hein. Donc soit les enrobages généraux, soit un par un. On peut les changer par ici, par exemple. Là, ici, vous voulez 5, vous mettez 5, tout simplement. Là, je vais laisser 3. Alors ensuite, vient le moment où on va indiquer des barres coupées. Donc, barre coupée, c'est ici. Hein. C'est un lit régulier. Comme c'est une poutre, je ne vais pas faire ça qui permettrait de tout mettre, mais sous forme de poteau, puisqu'il n'y a qu'un diamètre possible. Là, je vais faire 12 en bas, 10 en haut. Donc, je vais faire régulier. Je vais mettre achat 12 pour en bas. Je vais faire valeur 2 barres et je vais cliquer ici. Donc, là, le calage, G0, pardon. Alors, je vais cliquer ici. Et le calage, on pourrait très bien le changer par la suite. Donc ici, je vais mettre du HA10. Je vais venir le cliquer là. Voilà. Donc j'ai bien mes deux HA12, mes deux HA10 en haut. Alors ensuite, dernière chose, c'est qu'on va répartir les cadres. Alors on a les répartitions qui sont ici, en fait. Pardon. Ça, voilà. À chaque fois, bah, voilà, j'ai été trop loin. Il m'affiche les propriétés. Donc, vous avez les répartitions qui sont là. Et donc là c'est constant, et là c'est donc par espacement constant, là par nombre constant, et là variable. Mais on peut passer de l'un à l'autre si on s'est trompé. On va mettre par espacement. Je vais cliquer 2 points, donc celui-là et celui-là. Je clique pour mettre une cote.
Donc automatiquement, il me met tous les 20, voilà. Donc si je veux tous les 15, je mets 15 et je fais valider ici, sur ce bouton-là, pour être sûr que ça fonctionne. Vous voyez, là, il me l'a dessiné en vert, donc c'est du 10. Moi, ce que je voudrais, c'est du 6. Je fais ça, je valide ici, voilà. Donc là, j'ai bien du HA6, comme la coupe d'ailleurs. Alors, vous voyez, c'est un peu gros. Alors, ce que je vais faire, c'est tout de suite aller modifier l'échelle dans repérage ici. Et je vais sélectionner tout ça, je vais faire entrer et je vais lui indiquer que je veux une échelle au 25e. Voilà, donc ça c'est important. C'est une petite astuce à savoir. En fait, l'échelle n'est pas gérée sur les repérages, elle est gérée sur les barres. Et ça, au début, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi. Parce que forcément, on cherche à changer l'échelle, donc on chope le repère. Et en fait, c'est la barre qu'il faut attraper. Bon, c'est un peu compliqué, mais du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous cliquez sur l'outil repérage, changer l'échelle, et cette changer l'échelle, vous le trouvez dans modification aussi, ou dans mise en page, donc il y a beaucoup de nombreux endroits, mais bon, vous cliquez là sur changer l'échelle, vous sélectionnez tout votre objet, vous faites entrer, et vous changez directement ici. Voilà, donc ça va assez vite quand même. En tout cas, ça va plus vite que changer barre par barre, ça c'est sûr. Donc maintenant qu'on a tout indiqué, je dirais qu'on a mis toutes nos barres, on va s'intéresser au repérage et aux nomenclatures. Alors pour repérer, on va simplement aller dans repérage ici. Alors le premier, c'est qu'on va indiquer des vrais repères. Les vrais repères, tout simplement, c'est les repères qui vont servir à compter les éléments. Si vous mettez faux repères, ça veut dire que ça ne comptera pas les éléments. Donc généralement, c'est du vrai repère, hein, tant qu'à faire. Donc, ce qui est intéressant, et ce qui est très différent des autres logiciels, en fait, et ça, c'est important, c'est que c'est par le repérage que vous allez lier vos éléments. C'est un peu particulier. Je sais que sur les autres logiciels, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que vous faites un cadre, ce cadre, il est réparti, et quand vous le repérez, eh ben, ça ne change rien. Ça, voilà. Sauf que là, en fait, les deux cadres ne sont pas liés. Les barres qui sont là ne sont pas du tout liées, hein, les HA12 ne sont pas du tout liées pour le moment, c'est le repérage qui va les lier. Donc on va voir comment on fait. Alors on commence, pourquoi pas avoir cette barre-là. Cette barre-là, je vais la mettre ici, voilà. Je fais entrer, donc là j'ai cliqué deux points pour placer, hein, tout simplement. Là il me propose un repère, donc je vais faire entrer pour le repère 1, ça me va bien. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper, quand on vient indiquer ce repère ici, eh bien on clique deux points pour placer. Sauf que là, quand on fait entrer, il faut bien penser par la suite à mettre 1 et pas 2. Enfin, vous retapez 1. Pourquoi ? Parce que si vous tapez 2, c'est un autre repère, c'est une autre barre. Donc, pour lui, c'est pas lié. Si vous tapez par contre 1, vous allez voir ce qui se passe. Là-bas, j'ai 1 HA12, je mets 1, j'ai 2 HA12. Alors, voilà. Du coup, c'est un peu particulier parce que ça oblige à mettre beaucoup de repères, certes. Donc ça, c'est comme ça. Ce que je fais, moi, généralement, c'est que je sélectionne le repère. Et comme c'est pénible d'avoir les libellés partout, je le désactive ici. Je fais valider. Voilà. Comme ça, ici, je vais étirer. Je vais le mettre là. Et limite, voilà. Après, on le voit moins. C'est ce qui est important, c'est ici. Et pareil pour les cadres. Le cadre sera repéré là. Et puis là, je vais attacher un repère tout petit. Et puis, voilà. Enfin, sans libellé, quoi. Donc, on continue. On repère pareil en haut. Donc là, je vais repérer... Premier point, deuxième point, entrée. Donc là, il me propose deux, pas de souci, je fais entrée. Là, je vais cliquer ici. Tout de suite, je désactive libellé ici. Voilà, je clique un point, deux points, entrée. Attention, je tape 2 ou je clique ici. Voilà, donc là, ils sont liés. 2 HA10, voilà. Et là, je fais le cadre. Le cadre, je le mets là. Voilà, donc là, bon, je le déplacerai par la suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite dire ici... Je vais virer le libellé. Je vais tout de suite indiquer, je sais pas, par exemple, 3. Voilà. Et automatiquement, on voit qu'il y a 13 cadres. Donc là, il y a quelque chose à pas louper. Si vous vous trompez, bah, vous êtes obligé d'effacer le repère et de le refaire. Tout simplement parce que sinon, il ne comprendra pas. Et pour lui, ça ne sera pas lié, quoi. Donc ça, c'est important à bien maîtriser. Et c'est un peu délicat. De temps en temps. Mais bon, c'est comme ça. Vous voyez, là, j'ai pu déplacer le croquis, même s'il y a des petits bugs. Mais bon, voilà. Donc, ce que j'ai fait, là, j'ai bien fait mes repérages. Donc
Donc là, c'est un cas simple, hein, donc ça va encore. Donc ce que j'ai fait, j'ai bien tout repéré. Je vérifie que mes cadres, c'est bon. Je vais faire un petit test, je vais changer l'espacement, je vais mettre 20. Et vous allez voir, ça va plus être 13, ça va être 10. Voilà, donc espacement 20, il me l'a changé aussi là. Ça, c'est pratique. Si par exemple, je mets 3 barres ici, vous allez voir ce qui se passe. Donc, je vais cliquer sur nombre 3, je vais faire modifier ici. Eh bien, j'ai bien 3 HA12. Voilà. Et puis là, pareil, je peux modifier là, faire 3, pas 23, parce que ça fait beaucoup, 3, voilà, et donc j'ai 3. Alors ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment rajouter une épingle. Alors une épingle, elles vont être ici. Alors je clique ici, il me propose du HA10, je vais mettre plutôt du 6, et je vais faire 2 aciers. Alors si vous cliquez 2 aciers, vous cliquez celui-là et celui-là. Voilà. Donc là, ça fonctionne puisque le calage est à 0. Il y a certains cas, ça fonctionne pas trop, mais là, ça fonctionne. Il y a une petite subtilité sur ATFR, c'est que vous allez voir, là, je vais repérer l'épingle, donc il n'y aura pas de souci, je vais le mettre par ici, hein, je ne vais pas m'embêter. Ah oui, alors l'échelle, vous voyez, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que dans commande, dans configuration, j'ai laissé 1/50 par défaut. Et j'aurais dû changer tout de suite. Mais c'est pas grave parce que dans commande, je vais retourner avec mon échelle. Et simplement mon épingle, je vais la passer à l'échelle 25e. Comme ça, quand je ferai mon repérage, il sera bon. Voilà. Donc là, il est bon. Je vais mettre 4. Alors, petite astuce, on supprime ça. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on va pouvoir repérer à la fois le cadre et l'épingle. Alors comment on fait? On clique sur repère, on clique la ligne ici, j'enlève le libellé, sinon il y en aurait deux en plus. Je vais faire ça, ça, je fais quel numéro? Alors là c'est 3 et 4. Eh bien 3,4, entrée. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'un coup, eh bien j'ai bien. Alors je vais faire étirer, hein. Je vais étirer pour qu'on. Voilà. Aïe, j'ai chopé ça aussi. Ouais, alors pour modifier les éléments, c'est pas forcément simple. Voilà, c'est ce que je reproche, c'est que c'est pas du tout intuitif, donc il faut faire attention. Voilà. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai réussi à faire à la fois le 3 et le 4 en un coup, et ça c'est important parce que au début on se retrouvait avec une ligne là, une ligne là, une ligne là, enfin c'était imbuvable. Et là, 3,4, ça vous permet de faire à la fois 3, 4. Si vous en avez d'autres, ben vous refaites 4, 5, 6, etc. Voilà. Tout simplement. Donc là, eh bien ça marche, j'ai mon épingle. Alors je vais vous montrer une petite astuce aussi. Si j'étire là, je vais mettre volontairement 20. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Eh ben, je vais vous montrer comment on groupe une épingle. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, je vais passer ces barres-là. Alors, il faut les faire une par une. Ça, c'est dommage. Je vais mettre 4 ici et 4 là. Voilà. Donc, bon, c'est un petit peu longué. C'est pas très, très intuitif, une fois de plus. Mais bon, on y arrive. Déjà, il faut bouger celle-là avec peut-être 2 points, donc je ne me rappelle plus. Bon, bref, je ne vais pas m'embêter. Ce que je vais faire, je vais l'étirer. C'est un petit peu dommage. Parce que c'est. Voilà. C'est pas très très facile à mon sens à modifier. Ça, c'est le. Ouais. C'est regrettable. Mais bon. C'est comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais le placer. Avant que je clique ici. Non, ça c'est inversé. Ok. Bon, je vais essayer de cliquer là pour voir. Là, ça devrait être bon. Voilà. Bon, je le place comme ça. Hein. Vous avez vu, c'est pas tip top, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça et je vais tout de suite grouper sans le mettre repérage suivant, puisque c'est le même, mais je vais le grouper. Je vais cliquer de là, aïe, à là, et je fais entrer. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai 10 de 20. Ouais, ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, là, au lieu d'avoir 10 épingles, j'en ai 20, quoi. Tout simplement. Donc, ça vous permet, en fait, de ne pas avoir à repérer une épingle, puis une autre épingle, puisque finalement, ce sont les mêmes éléments, quoi. Vous voulez faire x2, ben vous faites, en fait, copier, vous groupez, et voilà, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez aussi grouper après coup.
dans la commande ici groupe, où voilà, celle-là permet de tout retrouver, c'est-à-dire que vous pouvez faire un nouveau groupe, vous sélectionnez tout ce que vous voulez grouper, vous faites entrer et automatiquement, si vous avez 5 épingles, elles seront toutes liées. Comme ça, vous n'avez plus qu'à en repérer une, c'est toutes les mêmes, quoi. Voilà. Et ça, c'est pour avoir les métrés qui sont évidemment bons et d'avoir le bon poids d'armature, etc. Donc voilà ce qu'on pouvait dire là sur le tutoriel à défaire. On va maintenant s'intéresser aux nomenclatures. Alors, pour faire une nomenclature, en fait, il suffit de cliquer ici. Donc là, c'est une nomenclature générale. C'est-à-dire que vous allez avoir votre nomenclature pour tout le projet en fait. Sinon, vous pouvez faire une nomenclature par nombre en sélectionnant que les numéros que vous voulez. Enfin, ouais, c'est une nomenclature par numéro quoi. Ou alors par zone. Alors, ce qui est intéressant par zone, c'est que vous allez faire ça. Il vous demande de placer le premier point, c'est-à-dire zone de là à là. Comme ça, vous sélectionnez. Enfin, ça vous fait la nomenclature de ce que vous avez sélectionné et pas de tout le fichier. Donc ça peut être judicieux. Donc je clique ici. Là, c'est la même chose, hein. On est d'accord, puisque là, j'ai fait général, mais vous voyez, j'ai que ces repères-là. Par contre, si je continue, eh bien, je vais avoir d'autres repères qui viennent à la suite, alors que là, vous voyez, c'est une zone. Donc j'aurai que ça. Même si je rajoute une poutre ici, eh bien, elle sera pas dans la zone, quoi, concrètement. Donc il y a des petites subtilités avec ça. Il y a aussi celui-là par ouvrage. Donc on n'a pas vu ouvrage, ça tombe bien. Qu'est-ce que c'est concrètement? On va dire que c'est un facteur multiplicateur. Par exemple, là j'ai un linteau ou poutre. Si vous en avez 10, eh ben, il faut bien faire un ouvrage, quoi. Parce que vous allez cliquer ici. Alors vous allez dire, vous avez déjà des linteaux, là, ouais. Par contre, on peut très bien faire clic droit, nouveau. Donc là, je vais l'appeler par exemple L1. Je vais faire OK. Donc ce linteau L1, eh bien voilà, il est là. Et ce que je veux, c'est lui mettre des numéros, quoi. Donc le plus simple, c'est de cliquer ici. Pourquoi? Parce que vous allez sélectionner ça. Donc toujours zone. Et automatiquement, il va mettre les numéros qui étaient là dans ouvrage. OK? Donc là, c'est un ouvrage. Vous le retrouvez donc ici. Et dans la catégorie linteau, votre ouvrage, c'est nombre. Vous en avez combien? 10. Et bien, vous faites 10. Et vous faites tout simplement OK. Voilà. Donc là, l'intérêt, c'est quoi? C'est que, en fait, au lieu d'avoir un élément, et bien, vous en avez 10. Et là, ça apparaît bien là. Du coup, dans votre longueur totale, et bien, ce ne sera pas 4 éléments, ce sera 4 fois 10. Donc 40, total 40. Donc tout ça explique la différence. Et vous voyez, si je retourne dans ouvrage, ce qui est bien aussi avec ces ouvrages, donc il est là, je fais clic droit, placer titre, et voilà. Automatiquement, en fait, ce que j'ai fait, c'est que mon ouvrage, je l'ai placé et je lui ai mis un nombre en face. Donc ensuite, le nombre, si on le change, je fais 8, je fais OK. Ce qui est bien, c'est que là, il vous le change ici, mais il vous le change aussi dans le tableau. Et vous voyez, la longueur, elle est moins importante. Je crois que j'avais plus. Voilà. Et du coup, j'ai bien 8 éléments. Et vous voyez, 8 fois 4, 32. Donc, j'ai un total de 32. Et en plus, là, il me l'a changé. Du coup, si je retourne, toujours pareil, hein, je clique là, j'active là, je suis dans les linteaux. Je fais, je sais pas, un renommé, par exemple. Je le renomme. Eh bien, il devrait changer de nom. Voilà, je vais mettre linteau 102. Ok, j'en mets 7. Ok. Et bien automatiquement, il change. Voilà. Donc ça, c'est très pratique dans le sens où vous avez un facteur multiplicateur. Donc forcément, dans votre nomenclature, ce sera bon. Et vous voyez, vous avez aussi la possibilité d'afficher ici le détail métré acier. Donc vous cliquez ici. Là, il vous demande de sélectionner la nomenclature. Donc nomenclature générale, de préférence. Je fais entrée, je clique la position du tableau et là j'ai mon récap. Donc c'est-à-dire que j'ai bien là, j'ai bien mon nombre de HA6. Là j'avais, vous vous souvenez, j'avais pas de 8, mais j'avais du 10, du 12. Eh bien ils sont là et masse posée 165 kilos. Donc j'ai le détail là, j'ai 43,4 HA6.
J'ai près de 49 kg de HA10, 73 kg de HA12, et ça me fait donc le bon total. Et ça, c'est très pratique. Et toujours pareil, si je change des choses ici, eh bien ça va changer dans mes notas. Donc très important, ici, ça concerne les barres, nombre de barres totales. Ça concerne les TS, plutôt pour les dalles ou les murs, d'ailleurs. Et pareil ici, je peux afficher. Alors c'est où? Non, pardon, c'est ici les TS, je me suis trompé. Ça c'est plus des. Pour mettre à jour ou faire des exports Excel, bref. En fait, ici c'est les barres, et ici c'est les treillis soudés, et ici c'est le total de TS. Donc ici j'en ai pas, bien sûr, encore des treillis soudés, mais c'est vraiment le même principe. Donc voilà pour la notion d'ouvrage. Ça c'est très important. Si vous faites des détails qui sont filants, donc des murs ou des chaînages linéaires, eh bien ça sera pas ouvrage, ce sera détail linéaire. Donc je les ai un petit peu moins utilisés ceux-là, mais bon, ça reste la même chose en fait. Bien sûr, vous n'aurez pas l'élévation. Donc par exemple, vous avez un chaînage ici, mais vous n'avez pas fait l'élévation, vous cliquez sur linéaire, vous lui donnez une distance en mètres, là pour le coup en centimètres, il faut que ce soit la même unité. Mais voilà, vous lui donnez une longueur et lui il va se débrouiller avec ça et pour générer quelque chose de correct. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les nomenclatures. Les groupes, on les a vus, c'est là. Donc les outils, oui, on en trouve d'autres. Peut-être que je referai des tutoriels plus particuliers. Il y a des choses sympas sur la gestion des indices, notamment, que j'ai un petit peu utilisé, qui sont sympas. Bien sûr, on peut remplir et vider par exemple, voilà, des barres. Hein, par exemple, si vous voulez rappeler un élément et pas lui donner un volume, vous pouvez. Vous pouvez là changer les couleurs. Sinon, le reste, c'est très similaire à AutoCAD. Ça, c'est simplement faire des symétries. Donc, ça, vous les connaissez en fait. Les mises en page, moi, je ne les utilisais pas. Enfin, je fais des présentations. Hein, mais il faut savoir que lui, il a déjà des possibilités de faire des folios, comme ils appellent ça. Mais moi, je n'ai jamais utilisé. Je préfère rester à la méthode des présentations. Ça va très bien. Et il y a aussi des macros que je vous invite à découvrir pour par exemple les renforts de trémie ou faire un poteau rapidement. Enfin, voilà. Il y a des choses de ce côté-là à creuser. Mais moi, je voulais vous montrer un exemple qui marche bien pour l'utilisation d'ADFR. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce tutoriel complet. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, hein, comme ça je pourrais faire des tutoriels plus orientés sur certains aspects, parce qu'il y a beaucoup beaucoup à dire sur cet outil en fait, tout simplement. Et sinon, pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est important pour ne pas louper tous les tutoriels qui arrivent. Pensez donc à mettre un j'aime, à vous abonner, à partager en commentaire, mais aussi sur les réseaux, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.